votre passeport français et sa validité pour vous rendre aux États-Unis. En effet, c'est une question que je voulais aborder avec vous parce que souvent je vois des personnes dire qu'ils ont trouvé, après avoir fait des recherches sur Internet, qu'il fallait que leur passeport soit valide au moins 6 mois après la date de départ depuis les États-Unis. C'est complètement faux. Effectivement, il y a une règle de 6 mois qui s'applique à pas mal de pays, mais pas aux ressortissants français. Je m'explique. Si votre passeport expire dans 30 jours, que vous partez demain et que vous restez une semaine, vous ne serez pas refusé à l'embarquement et encore moins en arrivant aux États-Unis, sous réserve que vous ayez le visa ou un ESTA valide, bien entendu, et que le douanier considère que votre séjour aux États-Unis est justifié. Voilà. Mais sinon, vous n'avez pas besoin de refaire votre passeport en urgence, qu'il soit valable 10 ans, juste pour faire un séjour d'une semaine, sous prétexte qu'il vous reste, par exemple, donc ce que je disais, 30 jours de validité sur votre passeport français. Donc, ce que je vous dis, c'est pas une information qui vient de moi, c'est une information qui est sur le site du gouvernement américain. Donc c'est une information officielle. Je vous mets le lien en dessous si vous voulez vérifier. Donc ne croyez plus personne sur ça et surtout, bon voyage!